Tout est hors norme ici au stade Pierre-Mauroy. La rampe derrière moi qui fait 15 mètres de haut, le budget du spectacle, plusieurs millions de dollars. Et les 40 meilleurs athlètes sont ici présents ce soir au stade Pierre-Mauroy. Parmi les plus grands mondiaux, on accueille à mes côtés Tom Pagès, qui est nordiste, du Douaisis. Et on dit de vous que vous êtes le meilleur mondial. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si je suis le meilleur mondial, mais j'essaie de faire un peu de freestyle motocross, voilà. Je suis vraiment content de faire partie du Nitro Circus, d'être ici en France, d'avoir une épreuve en France. C'est assez exceptionnel parce que ça va médialiser un peu ce sport, freestyle motocross, action sport. Et voilà, donc c'est super cool. Il y a une fierté particulière à jouer la seule date française ici à Lille, au stade Pierre-Mauroy, dans le Nord. Ouais, c'est assez énorme parce que dans un stade de foot, déjà, avoir une organisation comme ça qui vient prendre des risques, venir essayer de ramener entre 15 et 20 000 personnes, c'est assez osé. Et maintenant, ça va être à nous, pilotes, d'essayer de donner le meilleur pour répondre à cette demande aux gens qui vont venir. Votre spécialité, le spécial flip, combien de temps, quel travail ça représente pour répéter une telle figure? Le spécial flip, bah ouais, c'est vrai que c'est un peu ma figure. J'y ai favorite, sachant que je suis seul à la faire pour le moment en moto. Ça fait maintenant deux ans et demi que j'ai fait. Ça m'a pris deux ans. Alors dans Circus, il y a Cirque. Il y a des véhicules assez insolites qui vont aussi faire des figures. Il y a notamment des chaises, des fauteuils roulants qui vont sauter. Ça fait partie du folklore, ça? Bien sûr, il y a un peu le côté cirque, mais il y a vraiment ici une partie à tête professionnelle, etc. Donc Aaron Wills, qui est celui qui va sauter en fauteuil roulant, fait partie des athlètes, mais après derrière il y a une partie un peu cirque, avec certains gars qui vont sauter avec n'importe quoi, ça peut être canapé, bodyboard, peu importe, et eux vont faire plus la partie cirque. Alors est-ce qu'on éprouve encore de la peur quand on est un athlète confirmé comme vous? Ouais, je suis confirmé, mais je vais dire, je tente souvent des nouvelles choses. C'est souvent des ambiances différentes, des salles différentes, des lumières différentes. Et là, il faut pouvoir s'adapter. Et là, le temps d'adaptation est difficile. Il faut vraiment se concentrer et constamment, on a un peu de peur parce que c'est un inconnu souvent. C'est ça qui fait peur. Il reste encore beaucoup d'adrénaline, beaucoup de sensations. Ouais, les sensations, l'adrénaline est omniprésente maintenant et c'est ce qui nous fait avancer et pousser nos limites. Ouais. Vous êtes dans votre région natale, est-ce que vous en avez profité pour inviter la famille? Il y a des gens de votre entourage qui vont venir ce soir? Malheureusement, je ne suis pas dans ma région natale, mais il va y avoir beaucoup de familles, beaucoup de gens que je connais. Ouais. Merci Tom Pagès pour le temps que vous nous avez consacré. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir, Alexandra, alors que les premiers fans vont bientôt arriver ici au stade Pierre-Mauroy sur ce spectacle du Nitro Circus Live. C'est la seule date en France et c'est au stade Pierre-Mauroy ce soir à 19h30. Stop!
Là on n'a pas des mannequins, là on a des hommes, trois hommes sur une moto.